La bio décalée de l'invité avec Jean-Michel Honneur. Maître, oui. Mesdames et messieurs, c'est bien souvent dans des quartiers populaires, les zones peu connues, les cités pauvres, que naissent les plus célèbres histoires. 24 août 1958, dans le village de Madia, canton Zabou, région d'Issia, Bourgeonne, la cinquième sémence sur sept d'un planteur appelé Inabo Gilbert Kregbe et d'une vendeuse de délicieux beignets, que nous appelons en Côte d'Ivoire Beaufloto, Niaoré Jeanne Ozoa. Leur bonne graine poussera dans les terres. Qui vous a donné toutes ces infos-là? Ce sont des secrets bien gardés, mais il fallait le faire justement pour vous. Leur bonne graine poussera dans les terres d'écoles et collèges du campement, puis d'autres villes telles que Daloa et Abidjan, à Djamé précisément, avant de rejoindre à l'âge de 18 ans le studio École de la RTI, où elle décroche... 17 ans. À l'âge de 17 ans, d'accord. Voilà, 17 ans, donc merci pour la petite correction. C'est aussi ça les recherches. Une bourse d'études pour l'université de Bordeaux 3 en France. 1985, c'est l'année du retour au pays. Avec un diplôme de journalisme, option production de variété. Le prestige de la formation et les qualités individuelles ne vont pas tarder à s'exprimer vivement et faire merveille sur les écrans de tout le pays. Comment la petite graine a-t-elle bien poussé en un si grand baobab? L'un des meilleurs animateurs et producteurs de l'histoire de la télévision ivoirienne. Dans la bio décalée. Alors, maître, regardez bien ce tableau. Ouais. Qui va tout de suite dévoiler vos noms et prénoms. Barthélémy, Inabo, Zouzoua. Et j'en ai ressorti animé, comme présenté. Boys, c'est en anglais, les garçons. Bateau. H, qui est une abréviation pour hôpital, on dit grand H pour dire hôpital ou grand U pour l'université. Et pour terminer, Zoulou. Voilà, le dernier cas. Animé pour commencer. Barthélémy Inabo, à l'école, vous étiez un bon élève en expression écrite. L'univers de la télé vous a toujours fasciné. Animer des programmes est pour vous plus qu'une passion, c'est une question d'âme. Vous êtes animateur, en effet, journaliste dans l'âme. C'est pourquoi vous avez déclaré un jour, quand on est journaliste, on n'a pas de retraite. C'est visiblement cette profonde vocation qui a nourri votre dévouement à la tâche, votre créativité exceptionnelle qui ont offert au public des émissions originales et inoubliables, telles que Dimanche Passion, Aujourd'hui c'est dimanche, La Bonne Cause, Sacrée Soirée. Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez catalysé l'attention des Ivoiriens pendant toutes ces années de rêve? Vos productions faisaient courir tout le monde, petits et grands. Personne ne voulait rater ces rendez-vous, de peur de rater son week-end. Et pendant les vacances, le moment que tout le monde attendait, c'était celui des boys, des garçons, en référence à vous et votre collègue Serge Fateau-Hélingan dans la très captivante et célébrissime émission Variétoscope. Un programme qui rassemblait et faisait vibrer dans un esprit d'émulation et de création toute la jeunesse de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et tout le monde se souvient de votre style d'animation, puissant, électrique, dans une ambiance folle, avec une salle toujours pleine à craquer. Bateau, impossible d'écrire votre succès sans évoquer votre sens du travail en équipe. À Abidjan, pour dire qu'on est dans la même équipe, on dit qu'on est dans le même bateau. Barthélémy Inabo, toute votre carrière, vous avez capté et puisé dans la dynamique du travail d'équipe. Pendant plusieurs années, vous avez appris dans l'ombre de vos maîtres, George Benson et Serge Pacomaoulou, et continuez même de recevoir des critiques après chacune de vos émissions, comme si vous étiez dans le même bateau, dans la même équipe. Le travail d'équipe a contribué aussi au succès de Variétoscope. Vous avez su faire fonctionner en équipe, en harmonie autour de vous, dans Dimanche Passion et Sacrée Soirée, des teams d'artistes. 2006, vous avez fait souffler un vent de fraîcheur sur la télévision ivoirienne avec la création de RTI Musique, qui a séduit les Ivoiriens grâce à une qualité innovante de contenu et surtout un bon casting d'équipe. H maintenant. On dit parfois grand H pour hôpital. Barthélémy Inabo, vous avez tellement donné dans ce métier au point de mettre à mal votre santé. Vous avez toujours considéré ce métier-là comme un sacerdoce. Et en 2009, vous avez piqué une crise avant d'être diagnostiqué par des médecins d'insuffisance rénale. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes ce que je pourrais appeler un Zoulou. Les Zoulous sont réputés pour être d'excellents guerriers et des personnes très attachées à leur culture. C'est justement ce que vous êtes, Barthélémy Inabo. Un monsieur battant, combatif
et très engagé en faveur de la culture. Malgré votre licenciement choquant, après plus de 37 ans de sacrifices et de dévotion à la télévision ivoirienne, vous n'avez pas cessé d'aimer la Maison Bleue et de vous battre dans la vie. Vous avez investi dans l'agriculture, l'EVA, le palmier à huile, et fondé une école primaire et un collège à Issia, Tapeguia. Voilà, mes informations sont bonnes. Donc, merci en tout cas d'avoir beaucoup apporté à la culture ivoirienne à travers vos émissions innovantes, d'avoir poussé des artistes tels que Espoir 2000, Sakolo, Joël C à travers votre studio Balafon, qui était installé à l'époque à Yopougon-Selmer. La République vous a honoré, c'est un souvenir que vous n'oublierez jamais. Ah, jamais. 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 La date Je ne sais pas la date exacte, mais je sais qu'il y a eu, en 2015, quand j'ai reçu le prix, le seul d'ailleurs qui a reçu ce prix-là, c'est le prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière. Pour l'instant, j'ai été le seul, et c'est Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, qui me l'a donné pour l'ensemble de ma carrière. Et ça mérite un bien grand triomphe ici. Ah ouais. La République vous a honoré, mais aujourd'hui, c'est la rue publique qui vous honore. La rue, le public ivoirien, à travers ces midis, vous dit 20 millions de fois merci pour tout votre apport. Et vous rappelle que nous ne vous avons jamais dit au revoir, alors vous nous manquez tellement. Maître, revenez donc en attendant tous les applaudissements et les honneurs. Merci beaucoup. Merci.